Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Moi tout se passe bien comme vous avez vu, aujourd'hui c'est un jour exceptionnel quand même, parce que quand même on est jour de Noël. Je vous souhaite un joyeux Noël, j'espère que vous avez passé de bons Noël et avec votre famille vous avez bien profité, vous avez offert vos cadeaux, vous avez reçu de bons cadeaux de bonne qualité et que tout se passe bien pour vous. Moi tout se passe bien, moi nickel comme d'hab, bon, mes cadeaux sont bien arrivés, j'ai eu ce que je voulais. Bon, vous verrez par la suite des petits jeux que j'ai dû avoir de console, etc. Et puis voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire, ben, aujourd'hui on va faire cette vidéo. Je suis un peu excité quand je parle, parce que voilà, je sais pas, à chaque fois que je fais une vidéo, c'est bizarre. Je fais une vidéo, à chaque fois que je fais une vidéo, et ben, je suis excité. Je sais pas, vous avez remarqué, je suis excité. Je sais qu'il y en a plein, vous me regardez, il y en a qui rigolent et tout. Ben, après, je connais des potes, ils se parlent bien et tout, etc. Je sais pas, je suis émotionnel des fois quand je fais mes vidéos. Alors comme vous avez vu aujourd'hui, je me suis mis en tenue quand même, à ma tenue officielle. Enfin, c'est une petite tenue tranquille, on va dire. Hein. J'ai mis mon épapillon, en plus il est pas très droit, je pense. Et bon, aujourd'hui, en fait, Noël, je suis content de faire cette vidéo parce qu'aujourd'hui, je fais la vidéo de. Comme vous avez vu l'autre fois, il y a une des vidéos que j'avais fait, l'avant-dernière vidéo que j'avais fait, que en fait avec le bonbon, vous vous rappelez. Brûlé tout ça, que je suis même tombé dans les pommes, mais franchement j'ai vraiment fait un malaise et c'était vraiment pas bien, c'était vraiment bah, c'était rigolo quand même. Je tenais à faire ça parce qu'on m'avait dit de faire, on m'avait dit deux fois, on me dit t'es pas chiche de faire ça et tout ça. Bon, après je sais que ce que je suis pas chiche, je le dis, hein, je dis ce que je suis pas chiche et ce que je suis chiche, je le fais. Comme là aujourd'hui, ou comme vous avez vu dans la description, là, comme vous avez vu en bas là, juste en bas là, ici là en bas, comme vous avez vu dans la description, ben, je fais la vidéo de l'Arissa en fait, c'est-à-dire je vais manger un tube d'Arissa. En fait, je ne me suis pas cassé la tête, j'ai pris une petite boîte de conserve de l'Arissa et le but de la vidéo, c'est de la terminer, cette l'Arissa. Après, je pense que je vais y arriver moi, parce que comme le piment que je mange dans mes origines, bien sûr, camerounais, le piment c'est plus fort que ça pour moi. Pour moi c'est vraiment plus fort que ça. Donc je dirais que ça franchement c'est pas le plus dur. Après il y a des autres piments qui sont plus durs. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui c'est la vidéo de voir ce que, dans ce challenge, si je sais le faire ou si je sais pas le faire. Peut-être que je vais m'arrêter, peut-être que je veux dire ça me dépasse. Mais c'est vrai que j'aime bien aller au bout de ce que je fais. Bon là, si j'arrive pas à aller jusqu'au bout, si je fais un malaise là en direct, ben voilà, j'ai fait un malaise, hein, tant pis, hein, que si vous voulez que je dise. Mais je pense que je ne vais pas faire de malaise, je pense que je vais y arriver. Moi, je suis sûr que je suis capable de faire ça, que je vais arriver à faire ça, parce que vraiment, c'est un challenge pour moi, pas le plus dur challenge, mais je dirais, commencerai un peu à durcir, parce que par contre, manger du piment camerounais, enfin, dans mes origines, comme vous connaissez bien, manger du piment camerounais, je pense que là ça serait impossible pour moi parce que là c'est très très dur et ça met la lèvre tout rouge et tout, c'est très 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 dur de finir du vrai piment, le vrai piment, le très très fort, c'est très dur. Je pourrais faire ce challenge dans les prochaines vidéos, mais là c'est sûr que j'y arriverai pas, je pourrais à 100% que j'y arriverai pas parce que ça serait me tuer puisque là c'est très très dur. Bon, alors on va commencer la vidéo, je vais arrêter de parler trop et puis voici la boîte de conserve que j'ai acheté en fait, qui m'a coûté on va dire quelques centimes, et puis en fait je l'ai nettoyé, etc. et tout, et puis là en fait ce que je vais faire, c'est que je vais la terminer en fait, cette petite boîte de conserve. Vous voyez, c'est tout petit comme ça, mais en fait ça chauffe, hein, attention, ça chauffe. Là vous voyez, je suis tout habillé, tout nickel, je suis tout content, tout va bien et tout, je suis content et tout. Mais dans quelques temps, je serai plus content. D'ailleurs je vais enlever la veste, là c'était pour commencer la vidéo, et plus que comme après la vidéo j'ai une petite soirée là tranquille. Je pense qu'après, d'ici là, la vidéo sera finie et puis je ferai ma petite soirée tranquille. C'est pour ça que vous m'avez vu, je suis en tenue de soirée d'aujourd'hui, en fait, tenue de l'année 2019 pour terminer l'année 2019. Parce que comme vous avez vu l'année dernière, j'ai mis une autre tenue. Bon, je change un peu. Et je tiens aussi à vous dire que les vidéos vont commencer à changer, il va y avoir des changements. Bon, vous allez voir par la suite tout doucement les changements, le cadrage, l'environnement de ma vidéo va changer. Avoir beaucoup d'évolution dans ma vidéo. C'est pour ça que je suis émotionnel et je suis quand même content, puisqu'il va y avoir beaucoup de choses qui sont bien, qui vont arriver comme prévu, etc. Et tout. Bon, je ne veux rien vous dire. Je vous laisse regarder mes vidéos. Comme vous avez vu, moi je fais des vidéos comme ça direct. Je ne cherche pas, je ne vous donne pas de date, puisque si je vous donne des dates et que je ne respecte pas, alors, comme je sais que je vais la respecter, et deux fois ça peut m'arriver par avoir une imprévue, alors on ne sait jamais. Bon, alors je commence la vidéo tout de suite. Alors le but en fait, c'est de finir cette boîte.
Donc ça c'est de l'harissa. Regardez, je peux vous montrer bien. Là, ça, le fruit il est toujours. Attendez. Voilà, là vous voyez bien. Le fruit n'est pas. Voilà. C'est de l'harissa en fait en boîte. C'est de l'harissa en boîte et puis voilà, c'est ce qui est bien, c'est qu'elle sourbe à la main comme ça la boîte, vous avez vu. Elle sourbe à la main, tranquille, et puis normalement ça devrait bien se passer, je vais renverser ça. Et puis je vais terminer en fait cette butte, le but c'est de le terminer. Ça va être très très dur, je vous le cache pas de dire que je pense que ça va être quand même pas facile. Je vais plonger ma cuillère et je vais enchaîner, mais si je fais un malaise, tant pis pour moi, c'est moi qui ai cherché. Si je fais un malaise, tant pis pour moi si je cherche à faire un malaise. Mais bon, je pense que je vais pas faire malaise. Et puis pour si jamais je me sens vraiment mal, que je sens que je vais échouer, pour accompagner ça, il faudrait que je... Bon, comme je ne veux pas manger, je suis à jeun, je vais le finir à jeun. Bon, après, éventuellement, je mangerai, mais je vais le finir à jeun. Donc, je me permets de prendre ma petite badoua, que j'aime bien, la petite badoua de bonne qualité, au citron. Regardez. Je laisse bien le petit citron. Regardez. Badoua au citron, tranquille, très très bon, c'est magnifique. Voilà, voilà, là vous voyez bien, voilà, c'est une petite badoua au citron. J'aime bien prendre ça, chaque fois j'achète ça, j'aime trop. Moi j'aime trop le citron, c'est dégoûté. Le citron, j'aime trop, c'est trop. Avec un jus d'orange, évidemment, ça c'est bio, hein. Ça c'est du jus d'orange bio de bonne qualité, hein. Ça c'est du bio, il n'y a rien à dire. Bon jus d'orange, c'est du 2 litres, tranquille. Bon, alors on va commencer la vidéo, je vais arrêter de parler trop. Et c'est parti, je vais aller me changer, parce que là je pense que je vais avoir chaud avec ma petite veste. On se reprend 2 minutes, le temps de se préparer physiquement, psychologiquement, mentalement, etc. Et tout. Donc, puisque émotionnellement aussi, il faut que je me prépare, parce que quand même, ça va être très dur de réussir à finir ce petit pot d'un plus très piquant, qui pique beaucoup, donc ça va être pas facile. Bon allez, je vous laisse, je vais arrêter de parler, je vais peut-être me changer et on se retrouve pour le début de la dégustation de bonne qualité bien sûr. Les amis, tout se passe bien, vous avez vu, je me suis changé, tout se passe bien, je suis tout content. Pour le moment tout va bien, je suis en forme, je suis content. Je tiens à dire que aussi que je remercie tous ceux qui ont liké à ma dernière vidéo et l'avant-dernière vidéo, et je veux toujours aussi plus de likes. N'oubliez pas de liker la vidéo si c'est possible et de partager, ce sera vraiment génial. Un max de likes sur cette vidéo, puisque cette vidéo, franchement, vous avez bien vu que je suis en train de souffrir. Alors, likez et soutenez-moi pour voir peut-être la prochaine vidéo de le vrai piment camerounais, parce que le vrai piment camerounais, ce serait vraiment difficile. Je pense qu'à, on va dire, à 50 likes, je referai la vidéo avec le piment camerounais. 5, on va dire, ouais, 50 likes ou 40 likes, je ferai la prochaine vidéo de piment en fait, puisque je pense que je finirai sûrement par le moins fort, c'est-à-dire la moutarde, mais là je commence par quand même moins fort, on va dire c'est quand même fort, parce que c'est quand même de l'harissa que je fais là, c'est quand même l'harissa, et l'harissa ça chauffe quand même un peu, donc si je consomme vite, je sais pas ce que ça va faire dans mon ventre, peut-être que je vais tomber malade, peut-être que je vais avoir mal au ventre et tout, enfin je vous dirai dans la prochaine vidéo si tout se passe bien, si j'étais pas malade et tout, mais normalement ça devrait bien se passer. Bon ben je vais déguster ça tranquillement, je vais essayer d'aller rapidement et je vais accélérer la vidéo comme ça pour ceux qui veulent vite voir la fin, etc. C'est normal parce que je vais pas déguster tranquille parce que ça va chauffer. Si je déguste tranquille, plus je vais tranquille, plus ça chauffe. Donc c'est normal que je vais accélérer un peu pour avancer la vidéo. Vous allez voir que vous consommez très très vite dans la vidéo. C'est normal parce que si je souffre, je vais pas. Ça se moderne pas puisque c'est. En fait, le problème c'est que ça c'est pour mettre dans les sauces ou pour. C'est un accompagnement avec une viande, etc. Avec des poissons, etc. Et tout. Et si on le mange sec comme ça, c'est le mieux, c'est le mot pour moi. Vous avez votre avis, mais pour moi, je pense qu'il faut le manger, mais quand même rapide. Pas tout doucement parce que plus tu manges tout doucement, plus tu chauffes et puis voilà, ça fait mal, ça chauffe beaucoup et je vais transpirer tout. Alors pour éviter que je chauffe, que j'ai mal et tout, donc je peux forcément aller un peu vite et je vais accélérer la vidéo, forcément. Bon ben je vais arrêter de parler parce que je parlais un peu, parce que je fais durer le suspense, parce que là c'est vrai que je flippe un peu. Bon allez, c'est parti.
vous avez vu, la rissa, c'est là, c'est ce petit pot là. Et je vais ouvrir le pot. Tout se passe bien pour le moment. Likez la vidéo, hein, parce que quand même je souffre quand même, il faut liker, hein, parce que je souffre. Enfin, c'est pas à cause de ça que vous allez liker ou pas, mais c'est pour la prochaine vidéo que je dirai franchement, pour la prochaine vidéo de piment, de tout ce qui est épicé, ben, je la referai que si dans cette vidéo j'ai les 50 pouces bleus. Si j'ai 50 likes, et ben là je ferai la prochaine vidéo, mais là ça sera la plus dure, parce que ça sera le piment camerounais. Et le piment camerounais, ça chauffe, ça rigole pas, là il y a rien à dire, ça chauffe bien les bons. Là je pense que je le finirai pas, mais je vais voir ce que je vais faire. Je vais prendre un petit pot, un petit verre, et je vais voir ce que, où je peux le terminer. Mais il ne sera pas bloc fini, parce que là je pense que je vais me tuer tout seul. Là déjà c'est beaucoup quand même, là, hein, c'est beaucoup. Bon alors je vais commencer. Excusez-moi, parce que je regarde beaucoup le retour caméra là, sur le côté. C'est pour ça que vous me dites, regardez la vidéo et dites, mais regarde sur le côté, il a tendance à regarder, parce que je regarde beaucoup le retour caméra, quoi, parce que je me vois, quoi, c'est normal, quoi. C'est pas, là, je suis en train de parler, mais quand même, il y en a beaucoup, hein, quand même. Il y en a vraiment beaucoup. Je sais pas si je vais finir, finalement, je sais pas si je vais m'enchaîner. Maintenant, j'y suis, maintenant, je vais arrêter de commencer à faire. J'hésite et tout, non. J'y vais maintenant, j'y vais. Bon, ben, si je cale aujourd'hui, je vous dis joyeux Noël. Et puis, profitez bien et de votre famille. Et passez un joli jour de l'an et tout. Un joli 2020, parce que 2020, ça va être génial. Pour moi, surtout pour moi, et ma vidéo va changer. Donc, c'est pour ça que je suis content de 2020. Je suis content, quoi. Je peux pas vous dire, mais vous allez voir. De choses qui vont changer, donc 2020 ça va être génial, ça va être génial. Mes vidéos, ça va être génial, ça va être beaucoup plus mieux que, bon, on va dire là c'est bien, mais voilà quoi, changer quoi. Bon, j'arrête de parler, je parle trop, allez, j'enchaîne, là j'enchaîne, j'arrête de parler, j'enchaîne. Le but c'est quoi? Finir le pot. On m'a dit, j'ai pas chier de finir le pot. Moi j'ai pas chier, vous avez dit ça, moi j'ai pas chier de finir ce pot. Attends, parce que là il y a un malentendu. Moi j'ai pas chier, j'attends. C'est vrai que c'est dur, hein. Bon, je prends ma cuillère de bonne qualité, regardez. Ma cuillère, j'enchaîne, parce que là je parle. Une cuillère de bonne qualité, regardez. Je vais enchaîner, mais... Il faut enchaîner. Je prends un peu de jus de citron pour commencer à me préparer physiquement et moralement, psychologiquement, tout ce que vous voulez. Ah. Allez, c'est parti, j'enchaîne. Ah, c'est dur, hein. Je vois comme ça, j'ai dit, je sais pas si je vais arriver. Je sens l'odeur. Ouf, ça me tue déjà l'odeur. Avec l'odeur, je suis déjà. Je crois que je vais faire un malaise, je crois que je vais tomber. Hein. Les amis, si je tombe, hein, je suis désolé, excusez-moi si je tombe. Là, je crois que je vais faire mal. Aïe, qu'est-ce que je fais, man? Je suis fou en fait. Hein. Non, je crois que je vais arrêter là. Aïe. Okay. Qui m'a envoyé? N'importe quoi. Qui m'a envoyé à faire ça? Là, je me retrouve là avec vous et ce pot de Larissa. Qui m'a envoyé? Là, maintenant, je suis obligé. Hein. J'enchaîne, je commence à vous le. Je fais le malin. Et voilà, maintenant, t'enchaînes, donc il faut enchaîner. Aïe, bah, allez, j'enchaîne. Aïe. Je vais finir ça, moi? Non, je crois que je ne vais pas finir, mes amis. C'est beaucoup, hein, quand même, regardez. Bon, allez, j'enchaîne. Allez, c'est parti. Si je finis pas, tant pis.
dur. Ah, je suis chaud. Les amis, on va dire aussi. Ah, mais c'est quand même dur quand même. Hein. C'est vrai un peu. Là, vous voyez comme ça, c'est dur. Là. Je suis pas tout rouge là. Non, je suis pas tout rouge. Aïe. Les amis, j'ai vraiment réussi mon challenge. J'ai réussi l'impossible. Pour moi, hein, je pensais pas que j'allais réussir. Est-ce que c'est là, je suis dépassé par les événements. Là, je suis vraiment assez chaud hein, quand même. La lèvre chaude. Là, c'est dur quand même. Les amis, je sais pas si je vais tout vomir. Mais bon, je vais couper la vidéo puisque là, je souffre. Et un peu, je suis un fou, moi. Je l'ai enchaîné comme ça. Hein. Il faut que je mange derrière quelque chose. J'ai un peu de viande et tout. Ça ira. Regardez. Je l'ai terminé. Ça, j'ai réussi mon espoir. Je vous dirai si dans la prochaine vidéo, si j'ai eu mal au ventre. En tout cas, là, ça commence. J'ai mal au ventre parce que je l'ai mangé à jeun. Donc, c'est pas bon. Il fallait manger de la viande, quelque chose. Ah, j'ai mangé à jeun. Donc là, j'ai mal au ventre. Je risque de tout vomir. Bon, je vous dis les amis, à plus, on se retrouve pour la prochaine vidéo. J'ai réussi mon challenge. J'ai fini, mais je ne ferai pas tout le temps ça. J'ai fait qu'une seule fois ça. Je ne fais pas deux fois. Deux fois, la deuxième fois, je ne le finirai pas là. J'ai réussi. C'est dur. J'ai mal au ventre, les amis. Et je suis chaud. Très, très chaud. Je crois que je vais tomber dans les pommes. Avant que je tombe dans les pommes, je vais arrêter la vidéo. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Likez la vidéo. Laissez-moi le temps de me remettre pour la prochaine vidéo qui sera sûrement une vidéo de jeu. Je vais sûrement jouer avec un de mes amis au jeu vidéo, sûrement. Un jeu vidéo que j'ai à Noël. Je vous dis pas, je pense que vous devez en savoir ce que j'ai. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo et passez de bonnes fêtes de Noël. Moi, je suis là comme ça, je souffre, là, je vous parle, mais je souffre. Et profitez bien de vos amis. Et bonne fin d'année. Bonne année, bien sûr. Oh. Ah, j'ai roté, c'est là. Je vais pas mourir, hein, t'inquiète. Là, c'est ce que j'ai hyper chaud. Et je pense que je suis pas bien. Donc, on se retrouve pour la prochaine vidéo, les amis. Et salut. À tous. Si vraiment. Vous allez dire, je suis fou. Oui, je suis fou. Ceux qui disent que je suis fou de faire ça, oui. Oui, je suis très fou. C'était un challenge. On m'avait dit que j'étais pas capable. Eh bien, pour la personne qui regarde la vidéo, eh bien, je suis capable. Mais c'était quand même dur physiquement, moralement aussi c'était dur, et psychologiquement aussi c'était dur. Bon, on se retrouve pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo et si c'est possible, et commenter la vidéo. Et puis voilà, moi je vais vous laisser, je ne vais pas tomber dans les pommes, puisque ça va, puisque j'ai pris mon jus de citron qui m'a fait un peu tenir, donc ça va bien. Je remercie tous ceux qui me soutiennent et qui m'envoient des messages sur Snapchat et ceux qui m'envoient des messages aussi sur mon Instagram. Et voilà, bonne année. Bon, moi, je vais vous laisser. Moi, je commence l'année 2020. Enfin, je finis l'année 2019 avec une souffrance pour commencer. Every time she walk by, I can see in her eyes. Shawty be feeling my vibes. I be like, there she go.